Salut à tous, c'est Kelly Monster et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo détente sur GTA V. Et oui, nous allons faire une vidéo différente cette semaine. Ce ne sera pas du PES, ce ne sera pas une vidéo sur la Ligue des Masters, mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra bientôt. Pour l'instant, nous deux, nous allons donc faire une petite partie spéciale où nous allons nous balader dans Los Santos, y semer la zizanie et essayer de moins mourir. Et de faire de mourir le moins, évidemment, le moins de fois possible. Et évidemment, je le ferai hors ligne parce que je n'ai pas eu la, parce que j'ai eu un problème de connexion avec PlayStation. Donc du coup, je ne peux pas me connecter. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien voulu le faire avec mon personnage. Mais bon, là, je vais faire ça. Non, je vous aide pas. Désolé, je ne vous aiderai pas. De toute façon, oui, parce que je suis un sale connard, allez, dégagez. Bon. Eh, sale chopard, t'es sur ma route. Ouais. Pour l'instant, on se balade, et ensuite, je trouve un point d'appui, et où je pourrais donc me lancer. Allez, wouhou! Oh, il y avait une moto. Non, j'ai pas voulu la prendre, en fait. J'ai pas la prendre, pas tout de suite. Mais dégagez! Oh! Bon, vous voulez la guerre? Très bien. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Ta gueule! Mais ta gueule! Je t'ai dit ta gueule! Au sol, couché, couché. C'est ça. Bien, bien, bien devant ton maître. Vous voulez la guerre? Très bien, vous l'aurez. Déclaration de guerre. Paf! Non, mais ça va pas! Tu m'as écrasé, ça m'a pris! Ouais, je dois pas m'éterniser ici, sinon les flics ils vont me tuer. Bon. Je suis un terroriste, cassez-vous! Non, je rigole, je ne serai jamais un terroriste. Mais bon, dans ce jeu, c'est bien le seul jeu où tu peux faire des conneries dans la ville. Regardez-le en train de se balader et les flics qui sont carrément à l'opposé, on est totalement à l'abri. J'espère qu'ils ne vont pas me voir. En tout cas, dans la ville, on peut se faire assez vite repérer. Et c'est pour ça, vaut mieux être dans la campagne et là, à ce moment-là, se cacher dans les hautes herbes, comme j'allais dire. Mais non, en fait, c'est dans les campagnes, ouais, dans les espaces où les voitures ne peuvent pas circuler normalement, mais que nous, on peut circuler parce qu'on est des gros tarés on est des gros tarés. Par exemple, là, par exemple, une voiture normale ne foncerait pas comme ça et n'atterrirait pas d'une manière aussi extrême. Et pourtant, nous, on le fait. C'est ça le truc un peu différent. Et voilà, on a plus de 2 étoiles. Eh, hey. Oh, toi, viens ici, moto, 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 donne-moi ta moto. Oh, oh, toi, t'as une meilleure moto. C'est ça, donne-la-moi. Donne-moi cette moto jaune. Allez, on y va. C'est moi le maître. Hé, hey, t'as failli m'écraser, connard. Non mais sérieusement, regardez-le. Il n'est pas si puissant et pourtant il maîtrise toute la ville. Wow, 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 wow. Hé, hey, on se calme là. C'est moi le king de la conduite. Hein. C'est Franklin le king de la conduite. Ouch! Et voilà, en faisant pas avec sa faculté spéciale qui me permettait ainsi d'éviter assez facilement les véhicules. Et ben là, du coup, j'ai foncé tout droit dans le mur. Voilà. Ouch. Désolé. Oh oh. Ils vont me repérer. Ils vont me repérer. En plus, j'ai une arme à la main. Ah. Ouch. Mais non, mais ça va pas. Oh, mais non, mais ça va pas à la tête. Il m'a encore moulé. Chamboulé. Colère. FDP, dégage immédiatement avant que je te tue. Non mais regardez-le, lui. Ne me faites pas chier, gros connard. Oui, on a compris que je suis un suspect, que je suis en route vers la route des croissants. Ouais, c'est ça, ouais. Laissez passer, laissez-moi passer. Il y a une autre voiture devant là-bas, une voiture de flic. Je m'en fous si on est repéré. Mais regardez ça, regardez cette conduite qui est absolument inutile. Hein. Elle ne servait absolument à rien. Là par contre, elle sert absolument à quelque chose. Wow, 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 wow.
Regardez ça. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je suis innocent, c'est pas moi qui ai tué le mec là. C'est pas moi qui tirais. C'est pas moi qui tirais sur votre voiture, non, je vous le jure. C'était quelqu'un d'autre. Regardez-les là, en train de. Incapable de me poursuivre quoi. Non mais sérieusement. C'est quoi les. Ce sont les flics les plus lents mais que j'ai jamais vu. Ouais, par contre, là par contre, ils risquent de me tuer et je risque même de mourir assez rapidement. Si je ne remonte pas sur ma bike. Oh, je me casse. Je n'ai plus la force de vous combattre. Oui, c'est ça, je vous entends. Oui, le suspect est en route, le suspect est en route. Attention, attention. On va faire un truc stylé. Et on va percuter le mur et on refait demi-tour. Bonjour, vous vous êtes trompé de route, mais bien sûr, on se casse. Attendez, j'ai un raccourci. Le mont, cette espèce de mont, c'est pas le mont Gordo, hein. Le mont Gordo, il est de l'autre côté, mais il est carrément de l'autre côté de la map, mais là... j'ai failli percuter un arbuste. Allez, allez, c'est parti. Là, vous pouvez pas pourchasser, vos voitures sont trop lourdes. Vous voyez pourquoi, en quoi, évidemment, prendre une moto dans ce genre d'environnement, ça peut être très très utile. Même un vélo aussi, ça peut être hyper utile dans cet endroit, même si c'est encore plus difficile de se trouver dans un tel endroit. Et là, allez, on va ressortir. Regardez, attention, on arrive. Oh, et on va se prendre violemment le mur. Non, pas du tout, puisque nous partons dans l'autre sens. Allez, on va faire un... Là, ça s'est transformé en... En compétition de motocross, même si c'est pas une motocross qu'il a actuellement. C'est une moto, une grosse moto hein, qu'il possède. Moto qu'on a évidemment une petite moto qui désormais nous appartient. Oh là, oh là. C'est bon, on a atterri parfaitement sur la piste. Allez, dégagez, dégage. Non, allez, je suis obligé de couper à cause de vos conneries. Et enfonce carrément dans le... Dans notre terrain de jeu. We are the champion, my friend. Waouh, 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 waouh. Regardez ça, c'est fantastique. Mais je suis mort. Très bien, on va changer de personnage. C'était la chute. Oh non, ne me dites pas qu'il est encore là-haut. Non. Non. Mais qu'est-ce que tu fous au Mont Gordo? Putain, mais c'est toujours la même histoire avec lui. Regardez, regardez, je suis bourré, je suis bourré. Il est quelle heure? Attendez là. Eh, hey, pas loin avant que le fantôme apparaisse. C'est vrai que dans 4 heures environ, à minuit, le fantôme apparaît. Je voulais juste vous dire que je vous aime, Trevor. Et bah tiens, on va tomber, on va tomber, on va tomber, on va tomber. Aïe, aïe, aïe. That hurt. Allez, on descend. Un cactus. Allez, on retrouve la civilisation assez rapidement. Trisha. Trevor. On s'en fout. Allez, c'est bon. J'ai déjà entendu plusieurs fois ça. Tenez, voici. Regardez, c'est Trevor qui nous présente comment descendre une montagne. Comment descendre une montagne. Voici l'illustration magnifique faite par Trevor. Par Trevor Phillips, voilà, c'est ça son nom. Regardez, ça se voit que le mec il est totalement bourré. En plus, vous voyez ses vêtements, ce sont des vêtements de femme. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec la femme en question. Alors, il a dû la violer avant de la tuer, et ensuite il lui a piqué ses vêtements dans son armoirie, et ensuite il est parti sur le mont Gordo de je ne sais de quelle façon. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Allez, le train, partons au Nouveau-Mexique. Non. Allez, monte. Voilà, on est au Nouveau-Mexique. On va y aller, ouais, comme les putains de délinquants qui fuient les États-Unis pour aller au Mexique. Ben ça, c'est vrai, on n'est plus au 19e siècle, voyons. On n'est plus au 19e siècle, on n'est pas les Dalton non plus, allez. Saut en hauteur. Allez, c'est parti. Saut de wagon. Allez, on se retrouve sur un jeu que j'avais vu, mais que j'ai jamais joué. C'était ce jeu où on doit passer de wagon en wagon.
Et on a raté le dernier et on s'est craqué la gueule. Voilà, c'est ça. On s'est raclé la gueule. Vite, remonte sur le train. Eh ben il est mort. Très bien, on va s'arrêter rapide avec lui. Au moins, voilà, on réapparaît ici. Au moins comme ça, on va pas se faire chier à redescendre le mont Gordo. En plus de ça, on n'avait aucun véhicule autour de nous, donc on pouvait absolument pas redescendre. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais en chourer un. Allez, donne-moi ta caisse. Donne-moi ta caisse. Je cours plus vite que toi. Allez, je cours plus vite que ta caisse. Bon, et puis, il est trop rapide, finalement. Je vais taper ce mec. Voilà. Je vais me défouler. Et il est pas KO. Meurs. Meurs. T'es un gros lard, de toute façon. Regardez ça, c'est bourrelé. Le mec, il est... Pouah. Attends. Je vais tirer là-dedans. Ça va le faire sauter. Ça va pas le faire autant sauter que ça. Lancer ça, par contre, ça va exploser. Voilà. Et évidemment, les flics vont appliquer. Il y a une explosion. Non, non, vite, au secours des gens. Mais oui, bien évidemment, ça change des choses. Oh là là. Oh là, si je fais exploser aussi ça. Attention, je fais exploser les voisins. C'est mon nouveau job. C'est mon nouveau job, tu fais exploser les voisins. Eh oui, il y a beaucoup d'explosions, personne ne peut arrêter le mineur. Ouais, c'est, on va dire, appeler ça quelqu'un qui pose des mines, des explosions un peu partout et qui fait exploser tout ce qu'il voit. Et qui explose tout ce qu'il voit. Regardez ça aussi, ça va exploser. On va voir. Boum ! Bah, pas vu. Ils sont cons, ces bandes de bites. Regardez. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cactus! Un cactus! C'est ce saleté de cactus! Il m'a coincé! Allez, on se casse! Elle est nulle cette caisse, mais au moins, on a un véhicule. Je sens que ça va être extrêmement lent. Oh, et en plus. Mais c'est pas possible! Oh, allez, on défonce les pneus, c'est pas grave. Regardez, ils vont se dire, mais c'est qui ce mec là dans la voiture? En plus, ils m'ont perdu. Super. Hein. J'étais juste à côté d'eux, ils m'ont pas vu. Ben, j'ai envie de faire quelque chose, mais pour l'instant. Mais il faut que je trouve un bon coin. Quelque chose. Oh! En voilà un autre qu'on n'avait pas explosé. Cette fois, on va prendre le sniper. Il est silencieux, le sniper, ça va. Allez, vite. Roule. En plus, je suis resté sur place, quoi, parce que la voiture ne voulait pas démarrer. Et là, les flics vont rappliquer, ils vont dire... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu m'énerves. Ah, je l'ai tué. Tant pis, j'ai pas besoin de te tuer, t'es déjà mort. Parce que là-dedans, il y a quand même pas mal de trucs. Allez, là-bas, il y a quelque chose. Il y a un jet ski. Au moins, c'est mieux que cette voiture. Hein. C'est largement mieux que cette voiture. D'ailleurs, cette voiture, elle va finir... à la casse, mais à la casse façon Trevor, c'est à dire qu'elle ne va plus être de ce monde dans 3, 2, et j'ai arrêté mon compte. et oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe jamais comme ça avec Trevor. Allez, il a pas l'air d'aller très vite, hein, c'est la première d'aller vite ce bateau, putain, ça va pas, ça fait vite quoi. Allez, avance, on se casse, on fait notre vie autre part, on n'est plus les bienvenus ici. Allez, c'est parti. Sachant que la map elle est hyper grande. Mais tiens, un ami, un voisin, un collègue. Oh bah oui, bah tiens. J'ai fait exploser son bateau et je me suis explosé. Le fail numéro 2 de cette vidéo. Et oui, parce que j'en ai déjà fait un avant. Michael, lui, c'est un milieu plus aisé. C'est plus aisé. Couldn't bring myself to do it. J'ai pas pu réussir à le refaire. Bah tant pis, hein, que veux-tu? Monsieur, on traverse pas la route. C'est ma route, voyons. Non mais, pour qui il se prend celui-là?
Tiens, il y a son psy qui est de retour. J'avais pas vu, il y a son psychiatre qui est de retour. Bon, je vais pas aller le voir, hein, sinon ça sert absolument à rien d'aller le voir. De toute façon, qui paye pour aller voir un psychiatre? J'ai pas envie de perdre de l'argent, moi. Laissez passer! C'est moi, le conducteur de Los Santos! Et toi, le motard qui dégage, toi aussi! C'est même pas un motard, c'est un gars qui conduit un scooter. Eh, tu vas avancer. Tu vas avancer. Si tu tiens à ta vie, avance. Mais, en fait, il a refusé d'avancer. Allez, allez, retourne dans ta caisse. C'est ça, retourne dans ta caisse. Fais l'explosion. Provoque l'explosion. Explosion. Dans 3, 2 et 1. Voilà, j'ai fait double, triple. Explosion. Hey, attaque sur un véhicule, ben bien sûr, c'est une attaque à ma armée aussi, tant que vous y êtes. Oh. Et combien de fois je me suis payé une voiture dans cette vidéo? C'est impressionnant, c'est hallucinant le nombre de fois que j'ai fait acquitter une voiture. Le mec, il savait pas conduire. Ou le mec était totalement bourré au volant. Oh, ils m'ont retrouvé! Je ne m'arrêterai pas, vous ne m'arrêterez jamais. Non mais sérieusement, il croit pouvoir m'arrêter. Il y avait plein de motos, ouais, j'avais pas le temps de m'arrêter. Allez. En plus, j'avais pas remarqué que j'avais ce klaxon. On fait les mariages. Non, allez, vas-y, donne-moi la moto, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Avec une moto, on peut carrément aller dans le paysage. Allez, j'ai pas peur de vous, là, les flics. Ils m'ont même pas reconnu. Ah, c'est bon, il m'a reconnu, le mec. Il est pas si bête. Il s'est dit, waouh, mais qui c'est ce mec? Il a dit, waouh, qui c'est ce mec? Et moi, qu'est-ce que... Et là, je l'ai même pas vu, quoi. J'ai même pas vu la barrière. Et je fonce en plein dedans. Allez, 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 vite, 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 vite. Remonte, remonte sur cette bécane. Et casse-toi. Et un meurtre de plus. Et une chute de plus. Et qu'est-ce que... Ce qui est impressionnant, c'est à quel point je suis mauvais en conduite. En même temps, je ne fais jamais de course. Donc, dans le mode en ligne. Cela s'explique aussi par ça. Ah, il m'a encore repéré, bon. Enfuyons-nous. Enfuyons-nous vers la liberté. En espérant évidemment qu'il ne se trouve pas là-bas. Il se trouve là-bas. Vous ne m'aurez jamais. Je suis le fuyard ultime. Personne ne peut m'arrêter. Mais oui, je fais ce que je veux. Je suis le putain de boss de cette ville. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est bon, c'est passé. Donc on va réussir à les fuir si on passe par là. Oh. Chute numéro millième du nom. Allez, vite, 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 vite. Passe par là. What? C'est bon. Encore avec Franklin, j'avais du skill pour ce qui est des véhicules, mais là vraiment je suis nul avec Michael ou avec Trevor. Vraiment. Je sais pas, j'ai peut-être l'habitude de jouer Franklin, mais bon, ouch. Bon, on a dit bonjour à notre ami l'escalier. Bon, ça y est, on a semé les flics. Bon, j'espère juste ne pas encore mourir d'une manière aussi ridicule que dérisoire. Parce que là, j'ai presque plus de vie, donc c'est encore plus con, quoi. Ah! Oh bah oui, bien sûr. Bien sûr. Oh mais là par contre j'ai rien compris. Là j'ai rien compris par contre. Comment a-t-il fait pour tomber de sa moto? Je ne comprends pas. Allez là on arrive, ça y est, ça remonte. Donc là c'est une bonne nouvelle. C'est bien qu'on va... Ouais, super, vous avez vu ce virage? C'était le virage boomerang bing. C'est le où on percute le mur et on revient. C'est le bing bang. C'est limite, mais ça passe. Yuhu. Oh merde. Non, ouais. Là, je me suis suicidé en faisant ça. Heureusement, il a la tête dure.
Attends, est-ce que ça passe par là? Ça ne passe pas! Donne-moi ma moto. Oh là, il n'est pas tombé, heureusement. Pour une fois qu'il ne tombe pas de sa moto. Il va piquer ma bécane, et bah je m'en fous de ta bécane, j'en ai une moi au moins. Et personne ne peut me la voler, parce que celui qui me la vole, il se fait buter directement, parce que moi j'ai des armes. Allez. Wow, 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 wow. Il a failli me tuer. Connard. Fils de pute. C'est la guerre. Mourrez, bande de connards de fils de... Oh, voilà, ils sont tous tombés, voilà, je tombe par terre. Je suis anéanti. Revenez ici. Je suis Terminator. Respectez-moi. Respectez mon autorité. Ah, ah. Je vise très mal en plus. Je suis à côté du commissariat. Je suis à côté du commissariat. Mais qu'est-ce que... Ouais, bon. Soyons les hommes. Fightons la police. Mais oui, on n'a aucun respect pour vous. Allez, vous ne faites pas de poids. Ouch, 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 cassons-nous, cassons-nous, cassons-nous. Cassons-nous. Oh, bah oui, bah voilà. On s'est pris une balle dans le dos. C'est le déshonneur. C'est le putain de déshonneur. Allez, on est mort comme ça. On est mort en ridicule. Genre en mode totalement ridicule. Bon, pour ce qui est de ces vidéos, on va s'arrêter là. Bon, on aura fait de notre mieux pour pouvoir résister en vie. On aurait resté en vie, mais bon, on est mort quand même... on est mort 4 fois, donc c'est déjà assez. Mais bon, une dernière chose. Paf, voilà, meurs. Ou tombe dans le coma, je sais pas. Boum. Voilà, on va se faire un peu de... On va se faire ces gangsters, et on se quitte sur cette baston. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que le monstre, il fait des ravages. Comme ces deux-là viennent de le comprendre. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !